le terme de corporation, c'est un terme polysémique. Et selon les époques, il va signifier des choses extrêmement différentes. D'abord, le terme lui-même apparaît tardivement au XVIe ou XVIIIe siècle, il y a une querelle d'historiens sur ce sujet, et au début, on ne parle pas de corporation, on va parler plutôt de corps de métier, puis de maîtrise, puis de gérante, puis de choses comme cela, de métier parfois tout court, et le terme corporation apparaît véritablement dans le sens où nous le connaissons, on va dire au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où elles sont déjà menacées par les idées qui seront celles des Lumières, par un certain libéralisme, par la liberté du travail, telle qu'elle sera définie par les décrets d'Allard et la loi Le Chapelier. Alors, la corporation, quand elle naît au Moyen-Âge, c'est une association de personnes d'un même métier, d'une même ville, qui cherche à se protéger. En définitive, c'est un petit peu le pendant social et économique de la féodalité. Hein, cette recherche de liens, cette recherche de protection, ce corps intermédiaire, d'une certaine manière, entre la famille et puis le seigneur. Bien sûr, par la suite remplacé peu à peu par l'État royal. Lorsque les corporations disparaissent, elles sont des corps de métier très organisés, très hiérarchisés, parfois rigides, il faut bien admettre, qui connaissent d'ailleurs en leur sein un certain nombre de querelles qui n'arrangeront évidemment pas les choses lorsque la Révolution arrivera. Alors, ce n'est pas un syndicat. Ce n'est pas un syndicat dans le sens où le syndicat, c'est une association plutôt, horizontale du moment. C'est un syndicat est organisé certes pour protéger, mais pour protéger une catégorie de personnes au sein d'un métier. Quand la corporation, c'était plutôt un syndicat, entre guillemets, ou une organisation verticale qui allait de la base, du producteur même, de l'ouvrier, de l'apprenti, jusqu'au maître, jusqu'au patron, etc. Une remarque, c'est que le terme de corporation aura une grande fortune, et c'est ce qui d'ailleurs causera son discrédit, autant des années 20-30, autant des totalitarismes. Et ce terme de corporation sera récupéré, car il n'y a pas d'autre terme là-dessus, sera récupéré par l'Italie fasciste et par l'Allemagne nazie, mais dans un sens favorable à l'État. Désormais, ce ne sont plus des corporations libres dans l'État libre, ce sont des corporations soumises d'une certaine manière au contrôle, plus qu'à cela, aux exigences de l'État. En ce sens, ce ne sont pas les corporations telles qu'on a pu les voir dans le passé en France, ni telles que les souhaitaient, la Tour du Pin, Albert Demain et quelques autres. En fait, le corporatisme du XIXe siècle s'inspire, c'est le bon terme, il ne copie pas des corporations du Moyen-Âge. Il s'inspire, on le voit en particulier à partir de la Tour du Pin et même de l'encyclique Rerum Novarum où le pape laisse à chaque nation, le soin de développer ses propres corporations, son propre corporatisme. Les corporations du Moyen-Âge, elles sont d'ailleurs sans doute les plus développées en France. Elles naissent vers le XIIe siècle. Elles naissent donc comme des associations de gens donc au sein des villes, au sein de commerce, dirait-on, au sein de négoces, au sein de métiers principalement, de métiers de producteurs. Et elles vont jouer ce rôle de garantie de l'apprenti, du maître, de l'ouvrier, par rapport au pouvoir du seigneur, mais parfois aussi au pouvoir ecclésiastique. En même temps, les corporations se placent souvent sous le patronage d'un saint, bien sûr, et cela explique pourquoi dans la plupart des cathédrales ou des églises des villes médiévales, on a les 12 chapelles autour du chœur qui sont dédiées les unes et les autres à des corporations et à leur saint patron. Alors, ces corporations médiévales, elles sont extrêmement diverses. C'est une véritable
anarchies d'une certaine manière, ou ce sont des anarchies communales, locales. Elles naissent pas au même moment, elles ne regroupent pas les mêmes gens, elles n'ont pas toujours les mêmes fonctions. Si ce n'est toujours, et j'insiste beaucoup, j'ai déjà insisté tout à l'heure, la notion de sécurité, de préservation, de protection, où on trouve des formes, on dirait presque de sécurité sociale, d'allocation chômage, de caisse de retraite. Bien sûr, ces termes n'existent pas et ce n'est pas exactement cela, mais elles existent d'une certaine manière à travers ces corporations du Moyen-Âge. Alors, elles vont prospérer, grandir et puis parfois connaître aussi le sort de tout organisme vivant, c'est-à-dire dépérir et disparaître même bien avant la Révolution pour certaines. La Tour du Pin, c'est un personnage tout à fait intéressant et en fait assez peu connu. Il y a eu quelques études qui lui ont été consacrées, surtout par des corporatistes, et quelques articles par Firmin Baconnier, par Xavier Vallat, par, et puis le livre d'Antoine Murat sur la Tour du Pin, mais c'est un personnage qui mériterait une grande étude universitaire. Pourquoi ? Parce qu'il naît dans un monde nobiliaire au XIXe siècle, des riens, c'est un militaire, il va être militaire, il va participer à un certain nombre de campagnes sous le Second Empire, il sera fait prisonnier en 1870 par les Prussiens, et il sera ensuite une sorte de diplomate ou d'attaché militaire en Autriche, non loin de Frosdorf. Ce qui est bien avantageux parce que ça lui permet d'aller saluer le comte de Chambord qui réside à ce moment-là en Autriche. C'est un personnage qui s'intéresse très tôt à la question sociale, très tôt et en tout cas qui va, à partir des années 1870, s'investir pleinement, non seulement dans l'action, hein, au travers de Cercle Ouvrier, mais aussi dans la réflexion. Et c'est sans doute celui qui a le plus écrit dans les milieux catholiques sociaux, corporatistes, monarchistes, sur la question sociale. Pas seulement sur les conséquences du libéralisme, etc., mais sur ce que l'on pourrait mettre, faire, à la place du libéralisme et à la place du socialisme, je parle plutôt du marxisme, hein, puisque il théorise, et on le verra un moment évoquer le terme de socialisme et d'un corporatisme démocratique, que par la suite d'ailleurs, il abandonnera certains termes considérant qu'ils ont été trop récupérés ou trop contaminés par des idéologies qui ne lui plaisent guère et qui ne correspondent pas à ce qu'il pense. Donc c'est un personnage intéressant, c'est un personnage qu'on devrait relire, qu'on devrait aussi annoter et qui a inspiré en France, d'une certaine manière, le général de Gaulle. Et qui inspire encore quelques hommes politiques. J'ai eu la surprise il y a quelques mois de rencontrer un sénateur de la droite dite républicaine et qui reconnaissait une certaine, un certain intérêt à la Tour du Pin, au point qu'il l'avait cité dans un de ses rapports au Sénat. Preuve que l'héritage de la Tour du Pin a peut-être encore des choses à nous dire. Alors oui, c'est vrai, le corporatisme apparaît comme l'opposition au libéralisme, mais il ne faudrait pas inverser les choses. C'est-à-dire que c'est le libéralisme qui va détruire les corporations, en 1791 en particulier, à travers le décret d'Allard et la loi Le Chapelier. Et cette interdiction des corporations, cette interdiction du droit de grève, cette interdiction d'un certain nombre de libertés ouvrières, mais aussi patronales, elle est une véritable catastrophe dans le monde social. Pourquoi ? Bien sûr, elle est passée presque inaperçue à l'époque. Il y a le grand tourment de la Révolution française, et la Révolution française, on ne l'a pas assez vue, c'est une forme de privatisation de la propriété, à tous les sens du terme, c'est une privatisation, je dirais, à tous les étages de la société, au profit de ceux qui ont les moyens de cette privatisation. C'est en définitive la première application, d'une certaine manière, de la formule de Franklin, le temps c'est de l'argent. Désormais, on va vouloir, à la suite de Voltaire et de quelques autres, la suppression des jours fériés, le dimanche en particulier, que les révolutionnaires, absolument, dans une inspiration absolument géniale, vont carrément changer le temps. Hein, faire une décade et un décadi, c'est-à-dire un seul jour de congé pour 10 jours, etc., etc. Donc, le libéralisme s'est pensé contre les corporations parce que les corporations étaient un cadre
contraignant et qui empêchait à l'argent, je dirais, de tout commander d'une certaine manière. On ne pouvait pas être patron d'un certain nombre de sociétés si l'on n'était pas issu de ce métier, issu de cette profession. Et donc, il y avait un lien très fort entre le capital et le travail, d'une certaine manière. Même si, dans la réalité, les choses étaient moins simples, et s'il y avait quand même, quelques abus, et puis quelques échecs. Donc, le corporatisme, lorsqu'il réapparaît, il réapparaît d'abord, il y a des petits essais d'association, déjà dès Napoléon, qui renaissent. Il y a des réactions ouvrières qui se regroupent, je dirais, sous forme de compagnonnage, sous forme de compagnie, de petites associations presque spontanées, qui en même temps prennent leurs racines dans un passé très lointain. Et puis il y a le corporatisme en tant que tel, qui va naître en tant qu'idéologie, on va dire, au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire presque un demi-siècle après le choc de la libéralisation de 1791. Et là, on va voir apparaître quelques noms. Le corporatisme, d'ailleurs, quand on regarde bien, va naître en France, mais pas seulement. Il va naître aussi en Autriche. On le voit, des influences autrichiennes, et on le voit bien, d'ailleurs, dans les écrits de la Tour du Pin. Ce qui est certain, c'est que le corporatisme, comme la Tour du Pin, veulent lutter contre les excès du libéralisme et contre la réduction de l'ouvrier à sa seule fonction de prolétaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réenraciner l'ouvrier d'une part dans la profession, d'autre part dans la cité. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu d'ailleurs un espace d'une cinquantaine d'années à la renaissance d'un corporatisme? C'est parce que lorsque les corporations disparaissent, on n'est pas à la veille de la grande industrie. On n'est pas encore dans ce grand mouvement d'industrialisation. Et on n'a pas compris ce que voulait dire la fin des corporations, la fin des droits ouvriers. Les libéraux l'ont sans doute compris. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas encore compris à ce moment-là, y compris du côté des monarchistes. Et donc, le corporatisme donc, naît d'abord comme une réaction, effectivement, au capitalisme, aux excès du capitalisme, aux excès d'une industrialisation qui fait qu'on fait travailler les femmes, les enfants. En 1840, on a une moyenne de travail dans les usines, peu nombreuses certes, mais de 14 heures, 14-15 heures, etc. Évidemment, donc, des conditions épouvantables et qui font que l'ouvrier est devenu un prolétaire et qu'il n'a plus comme seule richesse, pas seulement ses enfants, mais d'abord la force de ses bras qu'il est obligé de louer et malheureusement dans des conditions souvent indignes. Donc oui, une réaction, je dirais au départ de charité, puis une réaction sociale, une réaction théorique, constructive, face au libéralisme et face à son application au XIXe siècle. Alors d'abord, le corporatisme, ce n'est pas le socialisme, en tout cas pas le socialisme marxiste. La Tour du Pin, à plusieurs reprises, utilise dans les années 1870-1880 le terme de socialisme, dans le sens de faire société contre l'individualisme libéral, mais le socialisme condamné par le corporatisme, c'est le socialisme collectiviste. Parce que la Tour du Pin est quelqu'un qui voit le corporatisme et la corporation comme des institutions, une idée, des institutions qui s'appuient d'abord sur la liberté individuelle. Il ne s'agit pas d'imposer à quelqu'un d'entrer dans une corporation. Il s'agit que ça soit un fait, je dirais, naturel, un fait choisi, etc. Et qu'à partir de ce moment-là, la liberté de l'ouvrier, la liberté du patron, la liberté de l'apprenti puisse se réaliser dans le cadre de la corporation par rapport aux communes et par rapport à l'État. Le corporatisme, c'est le refus du collectivisme, c'est le refus de l'étatisme. Parce que s'il y a bien quelque chose que, là encore, la Tour du Pin condamne, c'est le jacobinisme, c'est l'étatisme. Il y a une réaction anti-étatique. Et donc, beaucoup, c'est très marquant, hein, on le voit à travers les textes et les propositions de la Tour du Pin. En fait, le corporatisme de la Tour du Pin, c'est une application du principe de subsidiarité. C'est la famille, c'est la commune, c'est le métier, c'est l'État, avec les provinces aussi. Et alors c'est assez intéressant, c'est que la Tour du Pin d'ailleurs propose 15 provinces, donc dans la carte de France, etc. Il propose deux chambres, la chambre des députés au suffrage universel, et une chambre des corporations, un sénat des corporations, dont s'inspirera en partie d'ailleurs De Gaulle au moment de sa réforme
qui mènera à l'échec, à son échec en 1969, de sa réforme de la régionalisation en 1969. Donc, la Tour du Pin est fondamentalement, comme les corporatistes, opposé à toute pression de l'État, à tout encadrement qui devienne un carcan de l'État sur les personnes, sur les familles, etc. Ce n'est pas aux familles, à l'État d'assurer l'éducation, ce n'est pas à l'État de, je dirais, de s'occuper des individus en tant que tels, hein, c'est juste à l'État de garantir éventuellement la sécurité nationale, et c'est aux corporations de garantir leur sécurité professionnelle et sociale. Donc, refus très net du collectivisme et de l'étatisme. Oui, fédéralisme et corporatisme sont deux termes que la Tour du Pin, comme Maurras, concilient, mettent ensemble, et c'est tout à fait logique. Hein. J'ai rappelé que la Tour du Pin était très attachée à la liberté individuelle, du choix d'entrer ou pas, de la liberté d'association, en définitive. Maurras, n'oublions pas qu'il est arrivé au royalisme, au nationalisme, par le fédéralisme. Donc il y a cette base de la famille, bien sûr, de la région, bien sûr, de la commune, bien sûr, mais du métier, qui est le premier, je dirais, rapport créateur, après la famille, à la société. Et donc, l'un et l'autre, effectivement, pensent les métiers, pensent les corporations comme des républiques professionnelles. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand on lit Maurras et même la Tour du Pin, c'est la référence constante à ces républiques locales, à ces républiques professionnelles, à ces républiques sociales. Cette idée toujours que, selon la vieille formule, je crois, médiévale, on disait sous le roi, les libertés publiques, les républiques de France, etc. etc. Hein, c'est une formule en latin, donc ne connaissant pas le latin, je vous épargne un accent épouvantable. Mais c'est cette idée-là, hein, cette idée que certains, comme Jean Édernalier, mettront en avant d'une certaine manière en disant « la monarchie, c'est l'anarchie plus sain ». Je dirais que la monarchie, ce sont les anarchies nécessaires, c'est-à-dire l'absence d'un pouvoir, je dirais, dominateur, central, où tout remonterait, hein, mais au contraire, la présence de multiples pouvoirs concrets, enracinés, familiaux, professionnels, etc. etc. Moi, ce qui me marque beaucoup, c'est qu'on a voulu souvent voir dans le corporatisme, sans doute du fait du fascisme, etc., un fait de l'État qui imposait une organisation sociale. C'est pas du tout le sens du corporatisme chez Maurras, chez Valois, chez la Tour du Pin ou chez Albert Devin. Au contraire, c'est exactement l'inverse. C'est effectivement, d'une certaine manière, des multitudes de pouvoirs, des anarchies, entre guillemets, nécessaires, des républiques, je préfère évidemment le terme république, sous le patronage, ou plutôt sous l'arbitrage d'un roi. La corporation libre dans l'État libre. Ce qui fait que le royalisme apparaît comme la conclusion, ou plutôt comme la condition nécessaire, à la fois du fédéralisme et à la fois de ces républiques sociales et professionnelles. Ça ne veut pas dire que le roi intervient partout, ça veut dire qu'il laisse vivre ces petites républiques, et que, en cas évidemment, qui peuvent vivre et mourir parfois d'ailleurs, hein, il n'est pas inutile de penser qu'elles puissent aussi mourir, se reconfigurer au fur et à mesure de l'industrialisation, des nouveaux besoins de la mondialisation, si l'on parle d'aujourd'hui, etc. etc. Hein. Mais l'État n'a qu'un rôle de garantie, de protecteur, d'arbitrage, de dernier recours. Et de dernier recours, et j'insiste bien sur le terme dernier recours, et non pas de sollicitateur permanent, et non pas de contrainte permanente sur celle-ci, sur ces républiques professionnelles qu'évoquaient Maurras et la Tour du Pin. Ce n'est pas totalement faux. Il y a effectivement un certain paternalisme, mais là encore, il faut le replacer dans le contexte de l'époque. D'abord parce que le paternalisme, c'est une forme de réponse à l'individualisme. Dans le sens où, en fait, le chef d'entreprise ou celui qui écrit sur les ouvriers ou les paysans se pose comme un bon père de famille.
Le but n'est pas de, je dirais, de ridiculiser ou d'empêcher, d'ailleurs, forcément, l'émancipation des ouvriers, mais de les diriger, de les guider, de les protéger aussi. On est dans une logique qui peut se comprendre. Mais je dirais quand même que la tour du pain ou Maurras, ce n'est pas une logique exactement paternaliste. C'est plutôt une logique que j'appellerais familialiste. Il faut rompre avec l'individualisme. Et la corporation, le corporatisme, c'est un moyen de rompre avec l'individualisme. L'homme seul, c'est l'homme abandonné. Le terme de familialisme, c'est vrai, n'a pas eu de succès ou n'a même pas été évoqué en tant que tel, mais c'est cela qui, à mon avis, fait qu'il y a une confusion souvent entre paternalisme et puis un intérêt très marqué de la part d'intellectuels, de la part de nobles, comme la Tour du Pin, de la part de théoriciens, je dirais, urbains, sur la condition des plus pauvres, qu'ils soient paysans ou ouvriers. Donc, en ce sens-là, je crois qu'il faut replacer le débat un petit peu différemment. En même temps, quand on regarde bien la Tour du Pin, que je ne dirais pas paternaliste, mais beaucoup plus familialiste au sens politique du terme, quand on regarde bien la Tour du Pin, il souhaite la liberté des ouvriers, il souhaite que ce soit les ouvriers eux-mêmes qui fassent le choix, et pas seulement eux d'ailleurs, hein, de rentrer ou non dans une corporation pour être protégé ou non. Donc en définitive, on voit bien que si c'est ça qu'on appelle du paternalisme, il y a quand même une confusion, je pense, sémantique de la part de ceux qui le font à l'égard de la Tour du Pin. Si paternaliste il y a, je verrai beaucoup plus, par contre, le pape, en particulier le pape Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum, inspiré d'ailleurs par la Tour du Pin, qui est pleine de bons sentiments, etc., mais où on sent effectivement que là, c'est le père entre les pères, hein, qui s'adresse à toutes les familles. Et là, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, au regard de notre conception des choses et de la famille, il apparaît très paternaliste. Alors en fait, je le dirais tout simplement parce que Waldeck-Rousseau est un bon et un vrai républicain. C'est-à-dire qu'en définitive, la loi de 1884, c'est une manière de couper ou d'essayer de couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui pourraient s'opposer à la République pour des raisons sociales, que ça soit d'ailleurs à droite ou à gauche. Et cette loi Waldeck-Rousseau, elle est assez habile, hein, stratégiquement elle est bien vue d'une certaine manière. Elle accorde des libertés aux syndicats, elle accorde enfin le droit d'association, mais en fait aussi, dans un certain cas, elle est la reconnaissance de choses qui se sont déjà faites avant. Et c'est pour éviter de perdre la main que Waldeck-Rousseau et la République mettent cela en avant et font cette loi qui... semble être la date de naissance, du moins c'est comme ça qu'on la voit, des syndicats en France. Sachant que les monarchistes d'ailleurs l'utiliseront. Un certain nombre de monarchistes créeront des syndicats agricoles, mais aussi par exemple, on cite souvent l'Association de la presse monarchique et catholique, qui sera un des premiers syndicats enregistrés après la loi Waldeck-Rousseau. Donc je pense que c'est une stratégie républicaine, sachant en plus que le grand reproche que l'on faisait à Ferry et à quelques autres, c'est de n'avoir aucun intérêt pour la question sociale. Ce qu'avait très bien remarqué d'ailleurs la gauche, une certaine gauche socialiste ou même à l'époque radicale, mais aussi les monarchistes, en particulier à travers Le Triboulet et un certain nombre de revues qui font des caricatures assez rudes sur cette question-là, sur les républicains, hein, et qui montrent bien que la République n'en a que faire du monde ouvrier, du monde corporatif, du monde des artisans ou des paysans, parce que c'était aussi ce monde ouvrier et cette naissance des syndicats n'était pas toujours très bien vue dans les milieux républicains, parce que cela rompait avec l'individualisme premier et avec la République une et indivisible qui laissait l'individu seul face à l'État. Et certains, il faut quand même voir qu'un certain nombre de républicains ont mis en garde contre le fait que la création de syndicats, c'était la création à nouveau des corps intermédiaires, c'était presque une contre-révolution. Donc on peut comprendre d'ailleurs que des monarchistes soient en partie, non pas enthousiasmés, mais aient vu dans ce qui me semble
avec le recul bien sûr, une manœuvre de Waldeck-Rousseau et vu une espérance de pouvoir refaire ce qu'eux souhaitaient depuis longtemps. Et d'ailleurs, on le verra bien au moment de 1889, du centenaire de la Révolution, quand un certain nombre de monarchistes lanceront l'idée des états généraux, etc., etc. Et on voit bien que la République, à ce moment-là, est tout à fait intraitable, est tout à fait insensible à cette idée-là, etc., et qu'elle ne fait rien, d'ailleurs, après 1884, pardon, pour développer des syndicats qu'elle a, en fait, mis dans la loi pour mieux, d'une certaine manière, les encadrer, ou en tout cas, les contrôler, au cas où. On est dans le cadre d'une République qui n'est pas véritablement sociale, et encore moins socialiste. Oui, d'une certaine manière. C'est une erreur des corporatistes, c'est une erreur des monarchistes, c'est une part de naïveté peut-être aussi, de la part de ceux qui pensent que bah, les choses vont s'arranger, parce qu'il y a des corps intermédiaires qu'on leur recrée, et que ces corps intermédiaires vont réussir à remettre tout le monde autour de la table dans le bénéfice, pour le bénéfice du travail. Or, effectivement, dans le cadre de l'industrialisation, le capitalisme a créé de véritables fractures et de véritables fossés. C'est le capitalisme qui, depuis 1791 en France, est complètement libéré. C'est plus encore que le travail, d'une certaine manière. Et donc, de ce fait, ils ont effectivement, je dirais, classifier, hiérarchiser la société, mais non plus d'une manière, je dirais, avec une manière harmonieuse, ou une manière où on pouvait s'accorder entre les étages, hein, même si on montait parfois lentement de l'un à l'autre, mais d'une manière brutale, sèche, en disant qu'en définitive, il n'y a que l'argent qui puisse faire la différence, que l'argent qui crée de la valeur d'une certaine manière. On est dans un autre type de société, et les monarchistes, eux, sont attachés à un autre type de société que celle-là. Hein, ils sont attachés à une société où les liens entre les hommes comptent beaucoup, entre les liens entre les familles, entre les communautés, etc., etc. C'est vrai qu'il y a une fracture qui est liée à la grande industrialisation. Mais c'est vrai aussi que la France n'est pas un pays totalement touché par cette grande industrialisation. Donc on peut comprendre un petit peu que les sentiments soient partagés et qu'il y ait eu peut-être une certaine naïveté que nous voyons, nous, en fait, des années après. Cela étant, les classes ne sont pas méconnues par les corporatistes et par les royalistes. Et Georges Valois insiste beaucoup là-dessus. Georges Valois insiste beaucoup là-dessus. Maurras lui-même insiste là-dessus. Il ne méconnaît pas l'existence des classes. Il ne méconnaît pas la lutte des classes. Ce qu'il regrette, c'est la manière dont elle se passe. Et ce qu'il regrette, c'est la nature même de ces luttes de classes qui risquent d'entraîner, je dirais, l'effondrement de toute la société. Et que donc, au lieu qu'une classe l'emporte sur l'autre, ce qu'il souhaite, c'est que l'une soit en état, en rapport de force satisfaisant pour désormais imposer à l'autre des conditions dignes de travail, de vie, etc., etc. Donc, il y a l'idée que la lutte des classes peut être un moment. Valois, pour lui, ça peut être un moment. Pourquoi est-ce qu'il fait un tel dialogue avec les syndicalistes? Pourquoi est-ce qu'il titre son enquête « La révolution sociale ou le roi » C'est parce qu'il est très conscient que cette lutte des classes peut mener à une révolution sociale. Et que lui, ce qu'il souhaite, c'est que la lutte des classes ne soit qu'un passage, si elle doit exister, pour aller vers une réconciliation des classes, vers un raccommodage, si on veut, des classes de la société professionnelle entre les détenteurs du capital, les propriétaires et les producteurs de base, les ouvriers, etc. etc. Donc, je crois que cette naïveté, elle disparaît d'une certaine manière, au moins avant 1914, et après, c'est vrai qu'il y a le communisme à l'Est qui rebat les cartes, et on a l'impression que c'est plus une lutte des classes, c'est une guerre des classes d'une certaine manière. Et que, du coup, évoquer la lutte des classes, pour Maurras, ça serait quelque chose qui risquerait de remettre de l'huile sur le feu au moment où il s'agit, au contraire, à nouveau, de réaccorder les gens entre eux. Je crois qu'il y a aussi cette césure de 14-18 qu'on doit bien comprendre et qui explique que ils n'ont pas méconnu l'antagonisme des classes, mais ils l'ont regretté et ils l'ont, en tout cas à partir de 18, combattu par crainte que tout l'équilibre social, que tout le pays soit fracturé par cela. N'oublions pas qu'en plus, désormais, la lutte des classes se fait au nom d'une internationale, d'un internationalisme, et non plus au sein d'un État.
Absolument pas. La conception de René Latour-Dupin, d'Albert Demain, de ses compagnons, c'est une conception d'association. C'est le corporatisme d'association dans lequel le choix individuel est respecté. Hein, ce sont des républiques professionnelles. Ce ne sont pas des corporations asservies à l'État. Ce sont des républiques qui ont leur pouvoir, y compris législatif d'ailleurs, parfois réglementaire, etc., sous l'arbitrage, sous la protection, avec un contrôle parfois lorsqu'il y a des chocs entre les uns et les autres, mais ça s'arrête là. L'État n'a pas à imposer un modèle de corporation dans la conception de Latour-Dupin. Or, dans le fascisme italien, dans le nazisme, c'est l'État qui impose ces corporations. C'est l'État qui construit une société professionnelle à sa mesure, et qui les fait d'ailleurs, qui les relie au totalitarisme lui-même. Donc, et d'ailleurs, c'est une politique ultra-dirigiste quelque part, avec le soutien d'ailleurs de certaines grandes puissances industrielles qui ne sont pas trop gênées en définitive par cette nouvelle organisation qui rappelle un peu les trusts et les concerns d'une autre époque, de l'époque un peu précédente et de celle qu'on verra après. Donc en définitive, d'ailleurs, je ferai la remarque que le corporatisme, ou plutôt que les corporations hitlériennes, ne vont pas marquer tant que ça, l'histoire économique du monde. On ne le verra pas comme, je dirais, autre chose qu'un mot, corporatisme, beaucoup plus que comme, ce ne sera pas la réalité, ou en tout cas, on ne fera pas la confusion avec les corporations d'Ancien Régime ou les corporations médiévales. Pour l'État nouveau de Salazar, ou pour l'État français, les choses sont un peu différentes. Pourquoi ? Parce que Salazar se place véritablement dans une optique, on va dire, chrétienne, d'une certaine manière, chrétienne, pontificale, etc. Et pour l'État français de Vichy, je dirais qu'il y a un mélange d'influences diverses. Il y a les technocrates qui ne sont pas très loin et qui voient un moyen d'organiser la production un petit peu autrement et de manière plus efficace pour en finir un petit peu avec une certaine anarchie des artisans, des producteurs, etc., locaux, etc. Et puis, il y a la pression importante de traditionnalistes baignés dans un corporatisme catholique qui sont à Vichy. Donc, en fait, la charte du travail, les corporations de Vichy qui n'auront pas le temps de toute façon de voir vraiment leurs conséquences, ce sont des projets inachevés, ce sont des projets un peu bancals. On ne peut pas dire que ça soit exactement le corporatisme de Latour-Dupin, même s'il y a beaucoup plus d'études de Latour-Dupin à ce moment-là qu'il y en aura à d'autres moments. Ça reste l'État qui est le maître de tout cela. Donc c'est pas tout à fait la corporation de Latour-Dupin. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit des reliquats de ce corporatisme d'État de Vichy à travers les ordres, comme l'ordre des médecins et comme un certain nombre d'autres ordres qui subsistent aujourd'hui. Donc voilà, il ne faut pas confondre en fait ces différents corporatismes, et ça rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à chaque nation, ses corporations. Il y a vraiment, c'est comme à chaque nation son nationalisme. On ne peut pas faire une confusion entre nationalisme allemand et nationalisme français. Ce n'est pas les mêmes bases, ce n'est pas les mêmes statuts, ce n'est pas la même histoire. C'est la même chose pour l'idée corporatiste. C'est une idée qui en définitive se coule dans un cadre historique. Et en définitive, pourquoi est-ce que ces corporations totalitaires ont été fondées comme telles? Eh bien parce qu'elles rentrent dans le cadre d'un projet unificateur de l'Allemagne et de l'Italie. Il ne faut jamais oublier que si elles sont vécues comme ça, ces corporations, c'est qu'elles apparaissent comme un moyen de consolider cette unité qui est toute récente. 1860 pour l'Italie, 1871 pour la Prusse. Donc il faut bien comprendre que là encore, tout comme la nation, la corporation est le résultat, d'une certaine manière, de l'histoire de l'unité du pays. Et c'est des unités récentes, des unités encore fragiles, et on a besoin de corporations d'État pour que, elle tienne et que l'État lui-même maintienne son unité ou la renforce. Donc, pas grand-chose de commun, comme on le voit avec le corporatisme français de Latour-Dupin, laisse beaucoup plus de liberté à la base qu'au sommet. Le sommet n'étant vraiment que là, de manière, arbitrale, et parfois seulement de dernier recours, comme je l'avais signalé tout à l'heure.
il est clair que la mondialisation a changé la donne, que la flexibilité, la mobilité et surtout la société de consommation par elle-même qui fait que chacun se voit d'abord comme un consommateur que comme un producteur et que l'on accorde plus d'importance en définitive au consommateur qu'au producteur. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que l'on délocalise, que l'on ferme des usines et qu'on va exploiter des gens ailleurs dans des conditions absolument ignobles et que la personne qui va acheter du H&M ou d'autres produits faits au Bangladesh dans des conditions lamentables ne se sent pas coupable. La consommation a déculpabilisé assez étrangement, je dirais, le consommateur de nos sociétés. Et pourtant, dans nos sociétés, elles se sont fondées aussi sur des luttes sociales longues, etc., pour récupérer les droits que la Révolution française avait supprimés aux travailleurs, aux artisans, aux petits entrepreneurs. Alors, comment faire? Parce que ça, c'est là le comment faire, le que faire d'une certaine manière. Je crois qu'il y a déjà quelques pistes. D'abord, il y a des survivances du corporatisme. Il y a des survivances du corporatisme dans le sens où un certain nombre de gens, justement, se protègent dans leur profession. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le grand discours des mondialisateurs, alors des mondialisateurs, hein, pas de la démondialisation, hein, mais comme Macron, comme les européistes, comme Attali et tout, c'est de dire, dès qu'il y a une réaction des routiers, corporatisme, des enseignants, corporatisme, des médecins, corporatisme, des notaires, corporatisme. On a l'impression, n'oublions pas les propos de Macron il n'y a pas longtemps, qui citait le corporatisme comme un des trois fléaux extraordinairement dangereux de notre société actuelle. Le corporatisme semble faire peur. S'il fait peur, c'est que d'une certaine manière, il existe encore et qu'il y en a des restes assez forts pour susciter une réaction qui pourrait valoir ou qui pourrait demander plus de protection dans un monde qui semble prendre plaisir ou dans une mondialisation qui semble prendre plaisir à les détruire, ces protections. Alors je crois qu'il y a déjà cet élément-là. Il y a une demande des protections, de protection très forte des travailleurs et qu'ils soient d'ailleurs dans le secteur industriel, mais aussi dans le secteur tertiaire. Je pense aux guides, par exemple, aux professeurs, à d'autres fonctions comme ça, aux commerçants. Ils ont besoin de protection, ils demandent une protection. On dit qu'ils ont peur de la déréglementation, ils ont peur du grand large, etc., etc. Oui, parce que le grand large, souvent, c'est le souffle de la tempête, c'est le raz-de-marée qui fait qu'il risque d'être balayé. Pourquoi? Simplement pour que certains fassent de grands bénéfices et que l'on dise « mais ça profitera à tout le monde, au monde des consommateurs, etc. etc. » Donc je crois qu'en définitive, il y a un désir de protection que le corporatisme peut assouvir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un tel acharnement sémantique, un tel acharnement dialectique contre le corporatisme de la part de Macron et de ses amis. Je crois que d'une certaine manière, en le désignant, ou plutôt en le visant, ils lui rendent une certaine visibilité. Pas encore une certaine crédibilité, mais une certaine visibilité. Donc, comment faire maintenant? Eh bien, je crois que ça va se faire un peu naturellement, quelque part. Ce besoin de protection, pour l'instant, il se marque par un certain repli, ou par des manifestations sporadiques. Il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas à un moment ou un autre une volonté d'organisation, y compris pour des petites professions, y compris pour des gens qui sont de part et d'autre de la frontière, etc. Il y aura peut-être effectivement un renouveau corporatiste, mais qui n'aura sans doute pas les mêmes formes que les corporations du Moyen-Âge, les corporations de l'Ancien Régime, hein, ou les essais de corporations au 19e et au 20e siècle. Mais je pense que, et je rejoins assez Alain Cotta de ce côté-là, Alain Cotta disait que le corporatisme était le stade suprême, en fait, qui dépassait le capitalisme. Parce que le capitalisme est tellement excessif désormais, il a tellement cassé toutes les limites, toutes les protections, qu'on va avoir besoin à nouveau de se regrouper, de s'associer, de se conforter les uns les autres, de créer par soi-même de nouveaux rapports au monde, de nouveaux rapports au marché, de nouveaux rapports aux autres. Et en ce sens-là, je pense qu'on voit bien que notre société a besoin, après la grande ère de l'individualisme triomphant, qui est encore en train de fonctionner, hein, elle a besoin de se retrouver. Les objecteurs de croissance disent moins de biens matériels, plus de liens. Je crois que d'une certaine manière, ça pourrait être une forme nouvelle de corporatisme pour demain. Je le crois.
Alors là, nous sommes un petit peu dans la théorie pure, parce que s'il y a des restes de corporatisme, de corporation, que l'on voit effectivement se mettre en place des logiques, je dirais néo-corporatistes, qui sont soulignées par Alain Cotta et quelques autres, pour l'instant, nous ne sommes pas dans une société corporative, et je crois que d'ailleurs, la première chose aussi à faire, c'est de recréer une société digne de ce nom. On est aujourd'hui dans ce que Marcel de Corte appelait la dissociété et que Jacques Généreux, pourtant un homme de gauche, a repris comme terme pour signaler effectivement cette explosion des individualismes de masse quelque part. Donc, mais si nous étions dans une société corporative, la question a quand même le mérite permettre de dire ce qui se passerait exactement. Donc, je pense que non, pas d'adhésion obligatoire. Je pense qu'elles se feront naturellement, et qu'il y aura un besoin de protection, celui que j'évoquais tout à l'heure, et qu'ils se regrouperont naturellement. Et je crois même plutôt que l'adhésion aux corporations ne sera pas obligatoire, parce que les corporations vont se créer, peut-être sans avoir même besoin de l'État pour se recréer. Donc je pense que, du coup, ce n'est pas l'obligation. Ça va être le désir de protection, ça va être le désir, le souhait qui va être le moteur des nouvelles corporations, du nouveau corporatisme, etc. etc. Donc, pas d'adhésion obligatoire. Vient qui veut. Quant à la liberté de travail, elle sera évidemment préservée. Sauf que la liberté de travail des ouvriers, elle sera préservée contre, je dirais, la dictature parfois de l'argent, contre le chantage que l'on entend dans certains cas où, si vous n'acceptez pas de travailler à telles conditions, on délocalise. Je pense que, et c'est là où intervient l'État, c'est-à-dire que non seulement on a des gens qui disent maintenant, unis, on a quelque chose à dire, on veut le faire, on veut produire par nous-mêmes, et il n'est pas impossible d'ailleurs que corporation rime d'une certaine manière avec autogestion, ce que des royalistes dans les années 70 appelaient, ce mélange des deux, la sociogestion ou le tiers pouvoir. Ce sont des choses que les royalistes ont mises en avant, ça n'a pas percé si on veut dans l'opinion, mais c'est des termes qu'il faudrait peut-être retravailler. Eh bien là, l'État pourrait jouer son rôle aussi de protecteur de ce mouvement social, de sociogestion, hein, mais qui serait un mouvement multiple. Un mouvement venant de la base et conforté ou protégé ou, je dirais, non pas encadré, mais pas en tout cas dans un premier temps, ou en tout cas encouragé par l'État. Donc, liberté d'association, pas de contrainte. Mais la corporation, il est évident, serait un plus dans une société contemporaine où la mondialisation a détruit tous les repères et tous les moyens de défense. Et c'est peut-être aussi un moyen de faire que le droit du travail évolue sans que les travailleurs y perdent trop. Je suis très inquiet de voir les différents projets de l'Union européenne, de la mondialisation, y compris dans le cadre du traité transatlantique, parce que j'ai l'impression que le grand souffle de la mondialisation veut balayer les dernières défenses. Or, justement, non seulement il faut reconsolider ces dernières défenses, mais il faut que les défenses se recréent. Et je pense qu'elles se recréeront de manière naturelle, de la base vers le sommet, avec un sommet qui, il faut souhaiter, saura prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Cela dépend évidemment de la forme des corporations à venir, mais autant que faire se peut, oui, il faut qu'elles soient de véritables républiques professionnelles, de véritables républiques sociales. Enracinées dans un milieu professionnel, peut-être enracinées dans un lieu, mais les choses sont plus compliquées à l'heure de la mondialisation. Donc, je pense que la corporation peut dépasser parfois certaines limites territoriales qui jadis semblaient logiques au regard des liens de l'époque entre les uns et les autres. Aujourd'hui, le monde, la mondialisation impose peut-être une redistribution des cartes. Mais justement, l'intérêt de la corporation, c'est d'éviter que cette mondialisation se fasse en déracinant complètement les travailleurs, les cadres et même le patronat. Donc oui, je pense que les corporations aient des droits et la possibilité parfois de légiférer, de faire leurs propres règles, sans rien demander d'autre à l'État
que son, comment dirais-je, son accord de principe, mais il faut que cela se fasse évidemment dans le respect des autres communautés, des autres républiques, de l'environnement aussi, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi, hein, il ne faut pas retomber dans les travers des corporations de la fin de l'Ancien Régime, qui faisaient au bout d'un moment un peu ce qu'elles voulaient, au risque d'exclure une part de la population, au risque de se refermer, de se replier. Non, elles doivent être une protection, elles ne doivent pas être une fermeture. Donc là encore, soyons clairs, ce sont les faits qui fixeront le droit d'une certaine manière. Hein, nous pouvons faire de grands schémas, mais laissons faire la réalité. Entraînons-la vers un coin ou vers un autre, entraînons-la vers un point ou vers un autre, vers un avenir ou vers un autre, mais ne lui imposons pas. Si nous ne sommes pas dans telle ou telle corporation, ne lui imposons pas, je dirais, nos vues. À elle au pluriel d'ailleurs, de s'organiser. C'est une forme de sociogestion qui me semble tout à fait logique et qui rentre dans le cadre d'un État décentralisé, fédéral, fédéraliste, fédérateur. Pour en finir un petit peu avec cette espèce d'État anonyme que nous avons, qui prend ses ordres d'ailleurs non plus à Paris, mais à Bruxelles aujourd'hui, non, de la liberté, de la liberté, de la liberté et des libertés au pluriel. Et je crois que là, effectivement, n'ayons pas peur de ces corporations, mais aussi de ces communes, de ces régions, qui feraient leurs propres droits, leurs propres lois, leurs propres règles, évidemment dans le respect de l'unité, je dirais, française en général. N'ayons pas peur. Je crois qu'il faut tenter l'aventure. Il y aura sans doute des échecs. Il y aura sans doute des faillites. Il y aura sans doute des ressentiments. Certes. Mais c'est aussi ça, la liberté, c'est d'affronter les difficultés et d'être, un moment ou un autre, capable de les surmonter. L'État est là, j'allais dire, pas pour réparer les pots cassés, mais pour éviter que, en cas de problème, ce problème ne contamine les autres. Ça s'arrête là. L'État ne doit pas tout faire. Hein. Il doit juste être un arbitre et être un, comment dirais-je, parfois être celui qui est le recours pour éviter, je dirais, des erreurs, des errements ou des fautes qui attenteraient même à l'unité du pays et à la qualité des personnes qui y vivent. Je crois qu'il faut un État fort et souple à la fois. Un État capable de prendre ses responsabilités, un État visible, mais un État souple dans le sens où il délègue une grande part de ce qu'il a aujourd'hui indûment comme pouvoir avec un grand P. C'est-à-dire un État qui soit capable de redistribuer ou d'accepter qu'il y ait d'autres pouvoirs, au pluriel, que lui. Pouvoirs sociaux, professionnels, régionaux, etc., etc. Donc un État fort et souple à la fois, un État, il faut être clair, disons les mots, un État fédéral. Fédéral, fédératif, fédérateur. Mais un État. C'est-à-dire un État qui ne soit pas gros et gras comme on a l'État aujourd'hui, qui ne sait plus comment maigrir. Et qui ne sait plus comment maigrir, et qui, s'il maigrit, risque de tomber, je dirais, complètement dans les vapes, etc. Non, il faut un État qui soit assez mince, souple, musclé, pour faire les choses, pour décider, pour la grande politique, pour les finances, pour la question de la dette, décider face aux grandes féodalités, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais un État qui laisse libre voie, comme disait Maurras, aux communautés, aux familles, aux régions, pour s'administrer, pour se gouverner, pour circuler entre elles, pour s'organiser tout simplement. Donc, la mise en pratique du principe de subsidiarité, ça ne peut être que cet État-là. Il faut être clair, quel est l'État qui peut permettre cela? Pas un État électif, ou pas un État, pas une république élective, où on ne pense qu'à la prochaine présidentielle. On est en présidentielle
permanente. Je crois que cela, c'est une déperdition de la nature de l'État. L'État s'épuise à vouloir se conserver à travers les mêmes hommes. Hein. Et l'État est toujours l'objet de la mainmise ou l'objet de l'appétit d'une caste, d'un groupe, d'un parti, hein, d'hommes politiques, etc., etc. C'est le choc des ambitieux. Or, il faut un État qui ait la simplicité de l'honnêteté, comme dirait l'autre. Simple, efficace. J'ai évoqué souvent le terme de monarchie active. Je pense que c'est cela qu'elle doit être. Parce qu'il faut être clair. La corporation ou les corporations, si elles veulent avoir libre voix, si elles veulent être soutenues et si elles veulent être garanties, la meilleure garantie, le meilleur trait d'union, le meilleur arbitre, le meilleur recours, parfois d'ailleurs au détriment de ceux qui auront, j'allais dire, péché, eh bien, ça reste l'État royal. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi ? Du fait de l'hérédité. L'hérédité, et là on retrouve une idée qui est à la base aussi des corporations, c'était... le métier, là c'est le métier de roi, métier d'État, là le métier que chacun sait faire et qu'il peut transmettre parfois à son fils comme une forme d'héritage, ou pas d'ailleurs. Donc les choses sont relativement liées, d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a comme État le plus naturel au niveau humain qu'un État qui se renouvelle et se reproduit par lui-même, et donc une forme de monarchie, une dynastie, un État dynastique. Oui, sans doute. Oui, sans doute. Je crois qu'il faut domestiquer le capital. J'aime bien cette formule. Le capital doit être au service du travail. Le travail ne doit pas forcément être au service du seul capital. Donc ça, c'est évident. Et donc, je pense que là encore, on va revenir sur la thématique politique. Il faut, je dirais, un État, il faut un ordre politique qui puisse maîtriser le capital. D'ailleurs, dans l'histoire de France, il faut être clair, c'est l'État qui souvent a joué ce rôle-là, face aux féodalités, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, ce sont les féodalités financières dont nous parlons. Hein. Il faut un État solide, il faut une politique digne de ce nom. Il faut réintroduire le politique au sein de la société quelque part, et refaire un rapport de force favorable aux politiques, qui puissent s'imposer à l'économique. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir qu'aujourd'hui, on préfère le terme de gouvernance au terme de gouvernement. Comme si l'économique avait déjà gagné. Non, il faut reprendre les termes de gouvernement, il faut reprendre les termes de politique, et il faut dire que l'économique, en définitive, la bonne économie peut être un but à atteindre, bien sûr, sans doute, mais elle ne se fera que si elle est aussi juste. Il faut une économie juste, il faut sortir de l'économie sauvage. Or, l'économie sauvage, elle a été suscitée, provoquée, elle est aujourd'hui incarnée par ce qu'on appellerait le capitalisme multinational, la mondialisation, qui en définitive n'est pas seulement un fait, elle est surtout un méfait, et elle est surtout une idéologie. Elle n'est pas du tout un fait naturel en tant que tel. Donc là, je crois qu'effectivement, oui, il faut domestiquer le capital et il faut, je dirais, d'une certaine manière, désarmer le capitalisme. Mais il faut, pour cela, donc, rendre aux politiques sa force et remettre l'économique, qui est nécessaire, bien sûr. Avoir du capital, c'est aussi nécessaire, mais il faut le remettre à sa place. Et il faut réintroduire l'idée de mesure, parce qu'il y a quelque chose qui est absolument délirant. C'est qu'un patron gagne des mille et des mille. Je prends Ghosn ou d'autres, qu'on achète 4, 70 millions pour d'autres, etc., dans d'autres pays, qui acceptent des sommes d'argent absolument considérables, des hausses de salaire de parfois 120, 130, 140%, quand au même moment, on refuse aux travailleurs français, d'une part, le droit de travailler, ou simplement le droit d'une augmentation. Hein. Ce sont les travailleurs qui se serrent la ceinture, et ce sont quelques-uns, en haut, des financiers, des actionnaires, qui en profitent. Il y a un désordre incroyable. Le politique doit remettre de l'ordre là-dedans. Le politique, la justice sociale. Et je crois que qui peut réussir cette justice sociale, c'est un État susceptible de mater, de domestiquer, d'apprivoiser. Je ne dirais pas d'écraser, mais d'apprivoiser donc les financiers et les rendre à leur devoir, les rappeler à leur devoir
contre la démesure. Il ne s'agit pas d'être contre les riches, il s'agit d'être contre la démesure. Les inégalités ne sont justes qu'à partir du moment où elles permettent à chacun d'avoir sa place. À partir du moment où les inégalités deviennent démesurées, à partir du moment où le plus fort écrase le plus faible par sa puissance d'argent, etc., il y a cette injustice considérable qui nourrit les révoltes. Et les royalistes ne peuvent être, et les corporatistes ne peuvent être que du côté, dans ces cas-là, du plus faible. Je rappelle que dans la musique, dans la chanson monarchiste, il y a dans la royale, par exemple, je crois, une formule qui dit « Le roi seul fort, protéger les petits ». Aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, il faut un État fort pour protéger ceux que les capitalistes, entre guillemets, nouveaux féodaux, asservissent. Et je crois que là encore, on retombe sur la question du politique et de l'État. On ne fera pas l'économie de la monarchie si on veut domestiquer en France le capitalisme. La monarchie à la française, s'entend. C'est une question complexe, difficile, parce qu'on peut parler du coup de force de manière théorique, et ça n'avance pas à grand-chose, quelque part, si on ne le pense pas de manière stratégique. Maurras expliquait qu'il fallait rendre le coup de force possible, d'une certaine manière. Le coup de force pouvait être d'ailleurs une révolution, un coup d'État, mais autre chose. Pourquoi pas autre chose? On verra que dans l'histoire, l'histoire est toujours surprenante. Elle nous donne des tas de modèles auxquels on ne pense pas forcément avant qu'ils adviennent. Je pense qu'il faut d'abord préparer les esprits. Maurras évoquait la royalisation des esprits et de la France, et je pense qu'il faut, je dirais, convaincre les Français actifs, ce qu'on appelle les Français actifs, de la nécessité d'un État royal, d'une monarchie active en France. Il faut les convaincre. Il faut en convaincre un certain nombre. Un nombre certain, en tout cas. On ne peut pas en faire l'économie. Il faut en même temps préparer les esprits dans toutes les classes de la société, dans toutes les couches de celle-ci, dans toutes les professions, à cette possibilité d'une monarchie. En gros, il faut la faire avant qu'elle n'éclate, d'une certaine manière. La faire dans les esprits, avant qu'elle n'éclate. Et Maurras disait que c'était un peu ce qui s'était passé avec la Révolution française. Il expliquait que la Révolution française avait été faite, là dans les esprits en fait, avant qu'elle n'éclate et avant qu'elle n'arrive à ses fins. Donc je pense qu'il faut reprendre effectivement cette stratégie de conquête des intelligences que Maurras a menée d'abord, avant tout. Et que Gramsci, d'ailleurs, on parle beaucoup de Gramsci aujourd'hui, mais Gramsci n'a fait que copier la stratégie que Maurras évoque dès la fin du XIXe siècle, à travers quelques articles dans le Figaro, puis dans la Gazette de France, puis dans l'Action française. Il faut convaincre. Convaincre ceux qui comptent, qui eux-mêmes, avec leur propre influence, pourront agir là où ils sont et pourront convaincre les autres. On ne pourra pas faire l'économie d'une royalisation minimale des élites et du pays avant que de faire les choses, quelque part, avant que de faire la monarchie, autant que faire se peut d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a très bien compris cela. Il y a quelqu'un qui a très bien compris cela et qui a utilisé cette stratégie, qui a sans doute été le meilleur lecteur de si le coup de force est possible, c'est De Gaulle. De Gaulle a préparé les esprits. D'autres ont préparé les choses autour de lui, etc., etc. Et il a fait ce que Maurras aurait rêvé, c'est que la monarchie devienne, je dirais, la seule solution. Et il est apparu, lui, comme la seule solution à un moment donné. Et il est arrivé, je dirais, sans tirer un seul coup de feu. Il a fait un véritable coup d'État, je dirais, idéal. Il a été le meilleur lecteur, d'une certaine manière, et c'est ironiquement, quelque part, de Maurras, mais est-ce si étonnant pour un lecteur de La Tour du Pin?
car après tout, on peut reprocher beaucoup de choses à De Gaulle. Mais il tente de redonner des institutions à un État, à la France, c'est déjà une grande partie du programme monarchique, et puis il tente de redonner une partie, je dirais, de pouvoir aux travailleurs par la participation, qui sera en fait un projet avorté. Mais on voit qu'il ne s'est pas contenté de, je dirais, d'utiliser Maurras. Il a aussi entendu la Tour du Pin et il connaît la question sociale. Donc, mais on voit bien que De Gaulle n'a été qu'un moment monarchique, entre guillemets, ou monocratique, toujours mieux que rien, de la République. Il faudrait l'inscrire dans la durée, dans la pérennité, sachant que pour faire cette conquête des esprits, des intelligences, il faut au moins au départ des minorités énergiques. Minorités énergiques qui rayonnent, qui proposent, qui s'imposent par elles-mêmes, et puis des minorités énergiques qui, le jour venu, donnent le coup de rein et forcent les gens, après tout, à rallier l'idée d'une monarchie. Alors oui, le coup de force est possible quelque part, il est sans doute possible parce que la monarchie est, me semble, nécessaire. Encore faut-il préparer cela, pas un travail facile, hein. Mais il faut tout faire pour que cette espérance devienne une réalité. Même si on paraît très loin des choses, mais cette petite fleur espérance, il faut la cultiver.